Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau live. Et de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler des amandes. Alors les amandes, c'est un aliment qui a le vent en poupe. En ce moment, tout le monde veut manger des amandes parce que c'est sain, en plus c'est bon. Mais en fait, on ne sait pas trop en quelle quantité on doit les consommer pour que ce soit à la fois bon pour notre santé et pour maintenir notre poids de forme ou pour perdre du poids. Donc je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Corinne Chimanti, je suis diététicienne nutritionniste installée à Saint-Louis en libéral depuis maintenant 23 ans. Et j'aide les hommes et les femmes à retrouver leur poids de forme avec une alimentation à index glycémique bas qui soit gourmande et équilibrée. Et je vous aide aussi à retrouver un rapport sain à la nourriture. Alors les amandes, on les classe dans quelle catégorie? Eh bien, c'est un fruit à coque qu'on va classer dans la famille des fruits oléagineux. À la différence des fruits frais, c'est que ça va être des aliments qui sont concentrés en matière grasse et notamment en acides gras insaturés qui vont être très bénéfiques pour notre santé cardiovasculaire. Contiennent zéro cholestérol, donc niveau santé, c'est très intéressant. Ça va contenir aussi des protéines végétales et en bonne quantité, aux alentours de 20% de protéines. Et ça va contenir aussi beaucoup de micronutriments, les amandes. Donc on va y retrouver à la fois du calcium, du magnésium, du fer, du potassium. On va retrouver aussi de la vitamine E, qui est un très bon antioxydant. On va retrouver des fibres insolubles. On va retrouver aussi des glucides, mais à index glycémique bas. Donc tout ça va nous intéresser dans le cadre d'une alimentation variée, équilibrée, et ça va être un super allié santé. Par contre, en quelle quantité on doit les consommer par jour? Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, les amandes sont très concentrées en matière grasse. Ça comporte 50% de matière grasse. Donc dites-vous bien qu'on en fait de l'huile. Donc si vous mangez une grosse quantité d'amandes, vous allez aussi vous retrouver avec un apport énergétique très important. Donc il y a des personnes qui me disent, moi j'adore manger les amandes, donc j'en laisse toujours auprès de moi dans le bureau ou bien chez moi, dès que je passe devant, j'en picore et je sais que c'est bon pour la santé. Donc le problème c'est que si vous en mangez toute la journée, et qu'au final, vous avez mangé 100, 100, 150 grammes d'amandes par jour, vous risquez de bloquer votre perte de poids ou même d'en prendre. Donc, c'est quoi la quantité optimale d'amandes par jour? Eh bien, aux alentours de 30 grammes à répartir sur votre journée. Alors, on peut en manger au petit déjeuner, on peut manger au goûter avec un fruit. Donc, tout ça va être intéressant. Mais attention au surdosage. Pour ne pas exagérer et puis risquer de prendre du poids avec. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce. N'hésitez pas à retourner voir mes vidéos sur ma chaîne YouTube concernant le rôle des fibres sur la santé, les antioxydants, l'alimentation à index glycémique bas pour bien comprendre tout ce que je vous explique au quotidien. Demain, je vous retrouve pour une vidéo où je vous donnerai des conseils cuisine. Donc, restez connectés sur ma page. Et puis, je vous souhaite une très, très belle journée. À bientôt. Ciao, ciao.